C'est un peu haut là. Ouais, mais c'est quand même un peu tout vachement haut. Regarde. Hop. Hop, c'est vachement haut, mais me verrait pas mal. Je vais voir. Oh, enlève-toi. T'as Tairo qui s'enlève parce qu'on m'a fait. Tairo, enlève-toi s'il te plaît. En même temps, c'est son panier le pauvre. Même pas mal. Bon les gars, je m'en vais à ma petite soirée salsa. Je suis trop contente. J'y vais avec mon pote Dédé. Heureusement que Dédé il m'emmène un peu à la danse hein, parce que sinon, voilà quoi. Moi j'adore ça danser. Mais Greg c'est pas trop son délire. Donc voilà, je vais pas me priver. Hein. Sur votre point. Regarde, je suis une fille. Je vais faire 1, 2, 3, 5. 6 et 7, et je suis en face de ma cavalière. De mon cavalier, pardon. Je deviens dingue. Les garçons, tu lèves le bras gauche et tu vas chercher la suivante en marchant. 5, 6, 7. 1. Les filles, vous ne bougez pas, vous restez sur place. La salsa. 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8. Super. Coucou mes coquinous. Pourquoi chaque fois que je commence un vlog, j'ai pas de voix? On va refaire. Coucou les copinous! Bon, je suis en train de faire du pain perdu, car nous sommes dimanche. Et le dimanche, on plante de rien. En plus, le dimanche, ben, Greg, il bosse maintenant. Donc, ben, nous, c'est tranquillou à la maison. Noah, hein, t'es en train de jouer à Batman Avengers, je sais pas quoi, sur la Play. Et puis voilà, moi hier soir je suis rentrée vers 2h du mat, la petite soirée salsa. D'ailleurs c'est pour ça que je porte la même robe en fait. Je suis arrivée, je me suis écroulée dans mon lit. Et en fait bon, ce matin j'ai pris ma douche et puis je me suis dit bon je vais la remettre. Je l'ai mise que hier soir et puis je suis bien dedans en fait. Oh elle est légère. Voilà, Greg il me dit que c'est ma robe mini. Il me dit que je ressemble à Mini. Et qu'il me manque plus que le petit nœud dans la tête. Il est méchant. Hein. J'ai voulu essayer de convaincre Greg de venir avec nous à la soirée, mais bon, lui, pour le faire danser. Bonjour l'angoisse. C'est pas gagné. Voilà. Hein, lui, il aime pas danser, donc on n'a jamais dansé tous les deux. Vous vous rendez compte, c'est triste quand même. C'est triste. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aussi, vous avez des mecs qui dansent pas? Moi, j'aimerais bien qu'on se mette là dans notre salon et qu'on apprenne la salsa tous les deux. Je m'en fous, même avec YouTube. Tu vois? Alors, aidez-moi. Marquez dans les commentaires qu'il abuse. Comme ça, je lui ferai lire. Et comme ça, il verra qu'il abuse. Parce que jamais faire danser sa chérie en 6 ans. Alors qu'en plus, une fois, un nouvel an, hein, 2015, je te le rappelle, bébé, parce que je sais que tu vas regarder. J'ai mangé une huître pour toi. J'ai mangé une huître. Tu me dois une danse. D'accord? Bon, voilà. C'était mon petit coup de gueule. Bon, mon nono, on va faire un autre petit truc. On va faire des petits roulés à la cannelle et à la pomme. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute tout entier ce qu'on a dit. Ce que tu m'as dit. Qu'est-ce que je t'ai dit? C'est pas, mais... T'as lavé tes mains? Fais voir les mains. Va laver les mains avant de faire à manger, je te signale. Ah, elles sont pégueuses. Elles sont pleines de blédines. Elles sont pégueuses. Va vite. Ok, mets la pâte là-dessus. Là. Voilà. Je pense qu'elle est un peu dure parce qu'elle sort du frigo. Faut que tu la déroules, mais tout doucement, comme ça, tu arrives à le faire tout doucement, sans la casser. J'essaye, moi. Elle est un petit peu dure encore. Vas-y, essaye. Essaye de pas la casser. On va jamais y arriver. Mais si, maman, elle va y arriver. Vas-y, toi, tu filmes. Voilà. Filme bien, chouchou. Eh bien, on a déroulé la pâte. Allez, maintenant, tu vas mettre la compote. Alors, vas-y, mon nono, mets la compote. Elle est en train de tomber. Elle est tombée partout, 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 bien étalée.
Voilà. Hop là, nickel. Alors, maintenant, tu vas la re-enrouler. Tout petit, tout serré, comme ça. T'arrives à le faire, ça? Tu la re-enroules comme elle était tout à l'heure. Dans l'autre sens, maintenant. Tout petit, tout serré. Bien serré. Toi, tu fais ce côté, moi, je fais ce côté, d'accord? Comme ça, t'as plus... Oula, tombe pas de ta chaise, maman. Ah, il est coincé, mon pied. Ah. Attends, on met pause, on décoince le pied noir. Ok, c'est reparti. Hop. Voilà. Bon, ça va sûrement déborder un peu de l'autre côté, mais c'est pas grave. Ça va déborder. Ça va déborder. Oui, 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 oui. Eh ben tant pis, hein. Ça déborde et puis voilà, c'est tout. Hop. Tiens, regarde. Voilà, le pro de la léchouille. C'est bien. Tu as un aspirateur. Bon, ça ressemble à une grosse saucisse, notre truc. C'est pas grave, maintenant il faut un couteau qui coupe. Alors, tu veux le faire ou je le fais? Je veux le faire. Regarde, tu fais des petits ronds. Comme ça. Oh, vas-y, j'étale un peu. Attention, la compote, elle va un peu déborder des trucs. C'est pour ça qu'il faut appuyer doucement. Voilà. Hop, super. C'est bon, t'as plus le droit de m'aider là. Allez, vas-y, tout seul, en solo. Comme un grand. Il faut appuyer fort, mais pas vite. Regardez-moi cette concentration extrême. Voilà pourquoi l'histoire. Sinon, ça reste. Voilà pourquoi soit appuyé très fort, parce que sinon, ça reste. Allez, le dernier. Vous inquiétez pas, le couteau, il est gros, mais il n'est pas non plus hyper tranchant, quoi. Je précise au cas où. Il fait très mal, mais il n'est pas hyper tranchant. Bon, voilà, alors on les a mis dans un petit plat. Voilà, j'ai pas pu vous filmer parce qu'en fait, bah, j'ai cassé le trépied de mon qui me servait pour faire des vidéos, quoi. J'ai plus de trépied, donc... Et allez, t'es encore tombée de ta chaise. Enlève-toi de là. Ou la cannelle. Alors, vas-y, mets un petit peu de sucre en premier. Bon, peu importe si on met le sucre en premier ou la cannelle. La cannelle. Comme tu veux. Mais la cannelle, il faut y aller doucement. Hein. Faut saupoudrer. Alors, je vais t'aider parce que toi, sinon, tu vas m'en mettre une tonne. Oula, je dis ça, puis c'est moi qui fais la bêtise. Voilà, bon, ils seront cannelés. Et le sucre, on peut en mettre aussi un petit peu. Allez, vas-y. Tu saupoudres comme ça. Léger, 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 léger. Je vais le faire tout seul. Ça arrive tout seul. Voilà. Hop! Oh! Non! Ben voilà à quoi ça ressemble, nos petits roulés à la pomme et à la cannelle. C'est super rapide et super simple à faire. Et puis moi, j'adore tout ce qui est à base de pommes et de pâte feuilletée et de cannelle. Tout ce qui ressemble de près ou de loin à une tarte aux pommes. Je kiffe. Et au fait, si vous avez vu ce bordel-là, c'est ce qu'il faut que je remonte là au garage. Coucou Mimoune. Coucou Nania Gugu. Ouais, qu'est-ce que t'as, Ralouse? Nia Gugu. Ouais, Gugus. Faut que je remonte tout ça au petit grenier. J'ai des trucs à récupérer en plus au passage. Des décos d'Halloween et tout ça. Et puis, faut que je sorte un peu des habits d'hiver, hein, parce que ça va commencer. N'est-ce pas, mon mignon? Est-ce que tu veux une petite tarte pomme, mon mignon?